Bonjour à tous, je suis Leïla et j'ai participé au programme Session 2, apprivoiser sa multipotentialité et en faire un vrai projet, proposé par Ambition Pluriel, organisme fondé par Manon, à qui je fais un petit coucou. Bien, j'ai décidé de témoigner afin de vous faire part de mon ressenti et de ce que m'a apporté ce programme, qui est destiné aux personnes qui ont le profil de multipotentiel et qui consiste à nous aider à nous définir auprès des autres et à nous révéler en expliquant ce que l'on peut apporter également à notre entourage. Alors, tout d'abord, ce que le programme m'a apporté. Je dirais que ce programme m'a permis de lever des barrières, d'accepter et d'assumer ma multipotentialité. Aujourd'hui, j'ai les mots pour expliquer aux autres ce que je sais, ce que je suis, ce que je veux et ce que je peux leur apporter. Aussi, le programme m'a confortée dans mon projet professionnel que je suis en train justement de développer. En somme, j'ai compris que ma multipotentialité est ma force comme ma plus-value pour les autres. J'en suis fière et plus honteuse comme auparavant. Ma définition de la multipotentialité suite à ce programme est la suivante. Je dirais que à ce moment-là, je peux dire clairement que je suis quelqu'un qui est guidé par la passion, par le plaisir pour réussir. Je prends plaisir à effectuer mon travail et à m'investir pleinement dans mes projets. J'ai une soif de connaissances pour non seulement apprendre plus, mais aussi approfondir mes compétences en les partageant avec les autres. J'ai le goût du challenge, j'ai le goût du défi. Et donc, je reste aussi positive, optimiste dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. J'ai également le souci du détail pour mener à bien mon projet, bien sûr tout en respectant les délais. Et mes différentes expériences professionnelles, que ce soit dans le domaine bancaire, du luxe, de l'assurance, de l'informatique, de l'aéronautique et bien d'autres domaines justement dans lesquels j'ai approfondi mes compétences, et bien je dirais que cela confirme ma capacité à m'adapter rapidement à tout type d'environnement et à intégrer le maximum d'informations pour les réutiliser dans une situation, dans n'importe quel type de situation. Et puis, bien entendu, comme je suis polyglotte, donc le fait de parler plusieurs langues me permet aussi de m'ouvrir au monde, de m'ouvrir aux autres et de pouvoir communiquer, échanger aussi. Et c'est ce que j'aime. J'ai constaté effectivement que le métier dans le salariat était quelque chose où je pense avoir fait le tour, tout simplement, parce que j'ai tendance à m'ennuyer rapidement dans ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai une soif de connaissances, j'ai une soif d'apprendre. Et donc voilà, on va me donner quelque chose à faire, un projet à réaliser, etc. Il y aura des défis, il y aura des problèmes à résoudre, etc. Et c'est ce que j'adore faire, parce que pour moi, dans la vie de tous les jours, je me dis qu'il n'y a pas qu'un plan B, mais moi j'ai le plan pour toutes les lettres de l'alphabet. Ça, c'est ma devise, parce qu'il y a toujours une solution à tout. Et malheureusement, à un moment donné, une fois que le projet a été réalisé, etc., mené à bien en tout cas, eh bien, j'ai tendance à m'ennuyer. C'est-à-dire, faire des tâches qui me sont redondantes, à la fin, ben, je dépéris, je suis comme une plante, je commence à me faner, enfin voilà. Et du coup, j'ai du mal à entrer dans des cases, etc. Il est vrai que ce programme m'a beaucoup apporté parce que je me suis rendu compte effectivement que je ne suis pas seule à être dans cette situation. Parce qu'en fait, on a tendance à vous mettre dans des cases facilement. À savoir, dès que vous êtes petit, déjà tout petit, on vous dit, voilà, tu vas à l'école, tu feras ça comme études, etc., etc. Alors, tu vas te diriger vers telles études, etc., pour obtenir un diplôme. Une fois ton diplôme obtenu, à ce moment-là, tu exerces
ton métier, tu rentres dans une entreprise et limite, ben, tu y restes quoi, tu fais ta vie et tout, et voilà, tu as une vie stable, professionnelle, parce qu'aujourd'hui, la société veut que l'on soit stable, professionnellement parlant, parce que cette stabilité nous permet, par exemple, d'avoir une famille, etc., etc. Or, la nouvelle génération n'est plus comme ça. C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de personnes souhaitent justement casser ce cliché type métro, boulot, dodo et pouvoir en fait exercer la profession qu'il a envie d'exercer et limite aussi de rester dans le salariat tout en ayant aussi une seconde profession, un second métier. Enfin voilà, quelque chose à côté, son entreprise à côté, cela n'empêche pas voilà, d'être salarié et également d'avoir son entreprise. Pour ma part, voilà, cela m'a complètement minée, faut dire ce qui est. Moralement, mentalement, cela m'a tellement minée que du coup, j'avais déjà en tête quelque chose, un projet. Et le fait d'avoir fait ce programme m'a conforté justement dans le cheminement que je suis en train d'entamer, de poursuivre du moins. Et donc en fait, je veux faire de ma potentialité un atout pour aider les autres dans leurs ambitions personnelles comme dans leurs ambitions professionnelles. La grande finalité de mon projet est d'aider les autres à avoir confiance en eux, à concrétiser leurs ambitions professionnelles, personnelles, quand d'autres n'ont pas misé sur eux justement. Et grâce à Manon et à son programme sur la multipotentialité, je me suis confortée, pardon, dans mon projet professionnel, qui est donc d'être mon propre patron, de développer en fait, de créer ma propre société et de la développer, de la diversifier en plusieurs activités, en alliant ma ou mes passions avec mon business. Donc, grâce à ce programme, pardon, j'ai pu découvrir qu'en fait, je peux créer aussi mon propre métier. Et j'en suis même ravie de dire qu'aujourd'hui, je suis une experte en slow fashion et créatrice de la marque Renaissance, qui est donc spécialisée dans la customisation de vêtements avec des cristaux Swarovski, comme vous pouvez voir ici. Sauf que ce sont des vêtements recyclés ou des vêtements en coton bio, où en fait, on peut les customiser avec les cristaux Swarovski, comme vous pouvez voir sur cette vidéo. Et en fait, ma mission, mon métier consiste à aider et à conseiller les clients, mes clients, à transformer les pièces de leur dressing pour renouveler leur garde-robe à l'ère du fast fashion, c'est-à-dire à l'ère de la consommation, de la surconsommation. Et donc, mon métier consiste aussi à améliorer le mode de consommation de mes clients en leur montrant comment ils peuvent embellir leur garde-robe avec la customisation tout en l'adaptant aux tendances. Donc, je customise les vêtements en leur donnant une seconde vie, en leur donnant aussi un côté précieux et une unicité. C'est-à-dire que mon but aussi, c'est de porter un vêtement que l'on ne va pas trouver à chaque coin de rue. Et j'allie donc ma passion, mes passions, la mode, l'histoire de la mode, tout ce que cela englobe, les matières, les accessoires, les tendances, l'événementiel aussi. Et donc j'allie mes passions, mon business, en réinventant notre mode de consommation. Aujourd'hui, je suis fière et heureuse de dire oui, je suis multipotentielle. Oui, je n'entre pas dans des cases, dans des stéréotypes, dans des clichés, mais je sais que je peux apporter quelque chose, des avantages, des atouts aux autres. Et ça, c'est quelque chose d'unique qui appartient à chacun. Voilà, si vous souhaitez en savoir plus également sur mon projet professionnel, sur également ce que je propose. Donc là, j'ai sorti une collection en édition limitée
Il s'agit de modèles de t-shirts en coton bio organique avec, qui sont customisés comme celui-ci. Et donc voilà, vous pouvez en fait personnaliser selon vos besoins, selon vos souhaits, chaque modèle, c'est-à-dire la couleur différente de cristal, le type de t-shirt, le modèle, col rond, col V, la couleur du t-shirt, la couleur des cristaux, le modèle de cristal, enfin voilà, tout est personnalisable. Je propose aussi d'autres prestations et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il s'agit aussi de renouveler sa garde-robe en la customisant. Et voilà, donc si vous souhaitez avoir de plus amples informations, je vous invite à me contacter par email à renaissance, donc re.ne2sen2s@gmail.com. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps d'écouter mon témoignage et je remercie également Manon d'avoir mis en place ce type de programme, d'avoir innové et de continuer à innover en tout cas. Et je remercie pour cette collaboration Manon. Et voilà, donc tout ce que j'ai à vous dire, c'est de ne pas hésiter à participer à ce type de programme, à ce type de formation, si vous pensez avoir ce profil, parce qu'il est très intense, ça je le reconnais. Il est en 6 étapes, c'est très intense, mais c'est aussi sur le développement de soi. Je pense que chaque personne, chacun de nous en a réellement besoin. Et voilà, donc voilà, les yeux fermés, allez-y, inscrivez-vous et ce ne sera que bénéfique pour vous. Donc voilà. À bientôt. Ciao.